sommes heureux de retourner, d'aller vers le passé. Nous sommes toujours situés dans la salle de John Adam Perkins, à la bibliothèque locale, toujours à Val-des-Monts. Nous étudions la blanche dans les capsules historiques. On en travaille, puis on en mange même. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet épisode où nous allons nous reculer pas mal. On veut noter, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que cette capsule que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans un cadre bien spécial. En effet, nous avons pensé au personnel enseignant, non, c'est pas juste penser à moi, personnel enseignant en général, aux élèves et à toute personne qui serait intéressée à faire une recherche historique plus poussée. C'est pourquoi cette capsule aura un aspect plus pédagogique et se bornera exclusivement à l'histoire du village de Perkins. Pour ceux et celles qui voudraient des anecdotes savoureuses sur Val-des-Monts, vous pourrez vous procurer des cassettes sur la vie à Saint-Pierre-Wickfield et la cassette La vie à Perkins, disponible dans les bibliothèques. Nous accueillons encore avec joie deux personnes qui ont connu quelques coins, quelques belles histoires autour du village. Je parle de Mme Denise Charon. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous avez l'air en forme, c'est vrai? Ah oui. Et vous, Mme Rolande Brassard? Bonjour. Ça va bien aussi? Ah oui, ça va très bien. Toute prête à rien oublier? On va essayer. D'accord. On recule dès... Oh mon Dieu, je pense qu'on a parlé de 1800... Non, 1850. Non, on recule encore plus? Ou oui. On est... Bon. On recule jusqu'en 1791. 1791. Donc, il n'y a pas personne qu'on peut présenter avec ça, par exemple. Par un décret qui a été mis en vigueur par le lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Sir Alured Clark, et en date du 15 octobre 1792, désigné officiellement par le nom de Templeton, un territoire à arpenter entre le canton de Hull et celui de Buckingham. Alors, ce n'est qu'en 1815 que le canton de Templeton figure en place. Nous, ici, à Perkins, on s'est appelé le canton de Templeton Nord pendant plusieurs années. C'était déjà un nom anglais, Templeton. Ouais. En tout cas, il n'y avait pas de français dans ça. Et rendu en 1825, il y avait 13 concessions. Ça veut dire des rangs, là. C'était tout mesuré en rangs. Du sud au nord et Le Gore, plus haut en gagnant Baltimore. Là. Les concessions étaient basées sur quel... Sur l'arpentage de M. Bouchette. L'arpenteur du temps, là, M. Bouchette, avait arpenté des lots de qui ont vendu par après aux concessionnaires, les messieurs qui sont venus pour acheter pour la coupe du bois. Ah, c'était pour le bois. C'était on pour le pas bois. De ferme du tout dans ce temps-là. Oui, quand ça a commencé par le bois. D'accord. Puis quand il y avait, est-ce que, oh mon Dieu, c'était quoi la loi? Il y avait le droit aussi au trapage ou c'était-tu juste les oui. Amérindiens ou c'était. Oui. Au début des années 1820, là, après la guerre de 1812, l'Angleterre a envoyé des émigrants pour faire une réserve d'hommes au cas d'une autre guerre. Alors, ça l'a amené, ça a peuplé les nouvelles terres, puis un nouvel essor de colonisation qui était dû en partie à l'ouverture du canal Rideau en 1832. Mmh. Ça a amené des nouveaux colons qui sont venus s'installer dans la région. Puis, cette nouvelle population trouve du travail dans le bois. L'exploitation forestière. Je trouve ça drôle quand même comme déduction, hein? La guerre, plus la réserve d'hommes, plus le canal Rideau, puis finalement ça arrive ici. C'est ouais. Drôle comment est-ce qu'ils ont accès ils sont venus s'établir sur les colons d'origine française et anglaise, qui sont venus s'établir sur les territoires de chasse des Algonquins, en particulier ceux des Ouescarini. Ah, Ouescarini, c'était là, OK. C'est ça. Des postes de traite, de fourrure furent établis à plusieurs régions, comme à Maniwaki, Fort Coulonge. Ah, ben oui. Partout dans où il y avait de l'eau, il y avait des lacs, des rivières.
Même à Hull, il y a eu des postes de traite. Non, non. Mais dans ce temps-là encore, là, même les oui. Westphalie... Puis la fourrure, ça a continué jusqu'en 1860. Mais on ne parlait jamais de la blanche, on ne parlait jamais de nos noms. C'était toujours non. Templeton... C'est ça. Mais non. Perkins même s'est appelé Blanche Settlement. Blanche Settlement. Ouais, puis tout se faisait en anglais. Hein? Toutes les c'était surtout les premiers, les débuts, tout se faisait en anglais. D'accord. Eh bien, puis là, il y a eu la fourrure, le canal, rideau, mon Dieu, ça l'amenait. Comment est-ce qu'il faisait le... Y avait-tu du portage? Y allait-tu retourner le bois? C'était des charrettes? C'était... Ils utilisaient la blanche? Bien, quand ils ont commencé le bois, c'est surtout la rivière. Hein? D'accord. Ils descendaient le bois par la rivière. D'accord. Puis, au cours des années, il y a eu des chemins. Ben, des petits chemins. Les chemins. Ben oui. D'accord. C'est ça aussi que des fois, on reste surpris en disant il y avait sûrement un grand chemin du roi. Ah non, c'était rudimentaire, c'était très, très mauvais. Parce que je pense que dans ce temps-là, ils ne connaissaient pas beaucoup le sable. Tu sais, aujourd'hui, le sable, ça améliore les routes. On va passer, après les premiers arrivants, on va aller vers les premières terres. Là, on parle de notre un Américain, un des fondateurs, John Adam Perkins. Je pense que ça, je m'en vais vers l'experte Roland. C'est-tu possible, ça? Ben, je ne suis pas un experte, mais je sais des choses. John Adam Perkins, il est né aux États-Unis. Hein? Puis il s'est emmené au Canada, puis il a épousé une fille du nord de l'Ontario. Ensuite, il a appris, on ne sait pas comment, qu'il y avait... Des terres à bois ici, puis il s'est venu acheter ça vers 1836. Et puis, après ça, avant ça, lui, il a acheté le moulin à scie qui avait été bâti par M. Justus Smith en 1838. Et puis, là, c'était ce moulin-là, il était ici au village de Perkins, sur la rivière Blanche. Puis il a exploité un bon bout de temps, jusqu'à, je pense que c'est jusqu'en 1891, à l'année de sa mort. Ici, puis, c'était les gens étaient greffés à ça. Là, il y avait des groupes, il y avait des hommes, il y avait des chantiers. Les chantiers, il achetait. Il a possédé 3010 acres de terrain. Presque toutes les terres y appartenaient. À lui. À partir du lac McGregor, en gagnant jusque vers le lac Donaldson, pas Donaldson, l'autre chez nous. Là. Il y en a plusieurs lacs dans notre coin, hein? Le lac Twin Lake, Twin. Là, qu'on appelle Plumbago. Plumbago. C'est vrai qu'il y a plusieurs noms. Ils ont changé de nom là, dernièrement, ils appellent ça les deux jumeaux, là, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, les lacs jumeaux. Vous avez l'air de vouloir gagner les noms sur le passé, en tout cas. Ben, sur, c'est ça. On ne se reconnaît pas. On se reconnaît pas. D'accord. Puis là, tout ce terrain-là là, appartenait à lui, puis à une association. Oui. Puis le bois, encore là, les profits. C'est pour ça que le père Pigeon, dans son livre, il dit que c'est le fondateur de Perkins, parce qu'il a développé, c'est lui qui a développé Perkins. D'accord. Même si on n'est pas toujours d'accord avec ça. Ses façons de procéder, ça reste comme, au même titre que M. Wright à Hull, il a aidé au développement de Perkins. Il y avait le côté économique, mais il y a eu quand même une vision plus globale d'élargir, d'accord? Oui, c'est ça. Petite question qui m'achale, y a-t-il laissé des ancêtres, en fait, des enfants dans le coin? Il y avait un fils qui est décédé, je ne me souviens plus en quelle année, mais c'est sa veuve qui a hérité de ses terrains, même la terre... De mon grand-père, il a été acheté de sa veuve, Mme Éléonore Perkins. Éléonore Perkins. Ça se trouve dans le rang 9. Okay. Le rang 8 plutôt, parce que c'est ça, le rang 8. La montée Beauchamp, le rang Saint-Pierre, c'est... Il y avait une maison extraordinaire, hein, la grosse brique, comme les Anglais avaient, ou je ne savais pas si sa maison dire, allait... Monsieur Perkins ben, lui-même, là, au début, là, je recule. Apparemment, là. C'est dans le village, mais d'après ce que j'ai appris de M. Martin, il me dit, lui, que la maison où il habite, même la maison de ma fille à côté, là, ça aurait été construit pour les hommes qui travaillaient pour lui.
Je ne sais pas si c'est vraiment d'accord. Et on dit ça. C'est très vieux. Là. C'est une. Je ne sais pas si vous avez passé. Vous savez où il demeure, M. Martin? Oui. Juste à côté, là, une maison à toit, plate. C'est une des premières maisons. D'accord. Mais la grosse maison, pour voir comme tous les touristes iraient voir ça, il n'y a pas de ça. Non, pas dans ce temps-là. Non. D'après le papillon, d'après les recherches du papillon, M. Perkins n'aurait jamais habité à Perkins. Non, ça n'a pas l'air. Il venait travailler, mais il restait à Montréal. Mm-hmm. Ah bon, d'accord. Oui, c'est à Montréal. Qu'il oui. De... Il n'aurait jamais demeuré, il n'aurait jamais eu de vraiment de maison. Il avait sûrement une petite maison pour rester. Il voyageait pas chez eux tous les soirs. Oui, d'accord, parce que dans l'histoire, on voyait, ben, que ce soit même à Hull, Finney-Morin, aussi une grosse maison imposante. Oui, oui. Ils veulent la garder. Parce qu'il ici, il l'aurait fait aussi. Oui. J'imagine, mais il a dû rester ailleurs. Hein, ben. C'était le site historique, c'était plutôt le moulin. Le moulin il n'est plus là. Ça a été acheté par Hydro-Québec. Les gens ont commencé à s'établir autour du moulin. Oui. Puis là, il y avait leur bois, puis il y avait leur pour bâtir leur maison. D'accord. Alors, c'est le même qui a été formé le village. Mais même dans ce temps-là, Jonathan Perkins, il ne pas en disant, ben ma vision, là, je vois aussi l'agriculture. Lui, il ne pensait pas à ça. Il pensait surtout au bois, à la forêt. Il n'a pas pensé à d'autres choses qu'il peut y avoir dans la région. Pas de ce que je connais. Ou augmenter les fourrures tellement que la région ici, c'était un paradis pour les chasseurs. Tout ça, même dans ce temps-là, on n'en parlait pas. Non. D'accord. OK. J'ai juste de voir ça exactement comme ça, OK. Puis, si j'arrive à la Chaux-de-Moulin, on arrive sur les terres, d'accord. Ah oui, évidemment, là on a parlé des Anglais, on a parlé des Américains, qui a marié une jeune de l'Ontario, c'est de ça? De l'Ontario, du nord d'Ontario. C'est quoi son nom, ça vient où, son prénom, cette dame-là? C'est Éléonore, elle s'appelait Éléonore. Oh, Éléonore. D'accord. Ah, OK, c'est ça, tantôt. La femme du fils. Non, c'est la femme du père, ça. La femme du fils, c'était la même. Je ne sais pas, le nom, je n'ai pas. OK, tantôt j'avais cru Éléonore comme ça. Ah, moi aussi, je pensais que c'était. Il y a eu aussi un des fondateurs dans ça, fondateur avec sa vision personnelle à lui, c'était Mgr Gigg. Ça, j'ai eu le bonheur aussi de participer à une pièce de théâtre, parce que c'est qu'on s'est aperçu que cet homme-là aussi avait mis beaucoup d'énergie. Puis des fois, tout à coup, il était absent, tout à coup, il revenait, tout à coup, il était absent, puis il promettait. Qu'est-ce que c'est que s'est passé avec Mgr Gigg pour le savoir, son installation, ou son implication plutôt, pas son installation, mais son implication? Bien, quand Mgr Gigg est venu par une visite, il venait de la Lièvre, il a monté la Blanche, il est en canot, puis il est venu faire une petite mission ici, puis là, il avait la demande des gens qui voulaient avoir une chapelle. Okay. Alors, il a décidé Mgr Gigg a décidé de bâtir une chapelle, mais ça a pris des années avant que ça se concrète. On ne sait pas juste qu'est-ce que c'est qui est arrivé, mais c'est juste en 1850. La première chapelle, là. Oui. Est-ce que la première chapelle était ici même, ce qu'on pourrait appeler comme les Jean Perkins, ou est-ce que ça vient de Saint-Pierre, dans ce coin-là, là? Dans le ruisseau Pélissier, je pense, où c'est qu'il y avait la première chapelle, où elle était ici, la première chapelle? Elle était ici. Où elle était au nord de Baltimore? Non, elle était ici. Il y en avait une ici. Elle était ici, à côté de l'église actuelle. Mais pourquoi qu'il viendrait... Ah! Les Anglais, il y avait des chantiers. Donc, il y avait du monde aussi pour les missionnaires. Donc ça, c'était... Mgr Gigg, c'était un oblat. Donc, les premiers prêtres ou les premiers missionnaires qui venaient autour venaient à chaque saison. Qu'est-ce que c'est qui se passait là? Je ne comprends pas. Comment est-ce que les prêtres pouvaient s'installer? Il n'y avait pas de chapelle, il n'y avait pas de lieu. C'est les prêtres des autres paroisses qui venaient qui desservaient ici. Il y a eu celui d'Angers. Il y avait une paroisse d'Angers, il venait ici. Puis celui de Pointe-Gatineau. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici, là, qui étaient baptisés à Pointe-Gatineau. Je trouve ça drôle, en l'an 2000, les prêtres maintenant desservent d'autres paroisses. C'est ça. On dirait qu'on a fait une petite Au début, c'est le curé d'ici qui desservait Sainte-Rose. Mm-hmm. Sainte-Rose était bâti après nous autres. D'accord. Alors, au début, on parlait d'une population de juste quelques centaines de personnes. Là. Mais même là, un prêtre venait rencontrer pour la petite chapelle. Dans les chantiers célébrer des messes, c'est ça qui est arrivé. Oh. Parce qu'on retrouve souvent le nom de Eusèbe Durocher, qui était un oblat,
qui partait de Maniwaki, qui venait desservir les chantiers d'ici. Puis on le voit dans les écrits, dans tous les écrits que j'ai pu lire, là, on voit le nom de Père de Rocher. Je pense que ça a été les premiers prêtres. Toujours à courir dans le passé, alors qu'on reste assis ici bien, bien tranquillement. Oui, on vient de parler un peu des premiers arrivants, on parle aussi des premières terres. On a parlé aussi des fondateurs, dont Mgr Guigg. On va essayer d'aller dans les petits détails un peu plus pour les chantiers, pour les scieries. Je vais attaquer, oh mon Dieu, pour Mme Brazard. Roland, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec toutes vos recherches? Je vois aussi que les dames ont travaillé énormément. Vous avez fait des écrits et des demandes. Vous avez dû rencontrer bien du monde aussi, vous deux, pour tout ça? Non, pas nécessairement. On a lu des livres. D'accord. Il y avait des nombreux. Tous les livres que j'ai lus, celui de Buckingham, celui du Père Pigeon, celui de Sainte-Rose, parle beaucoup de tout ce qu'on a vécu ici, l'air du bois. Mm-hmm. Et puis le deuxième cycle, de 1860 à 70, c'était en force ce qui a amené l'ère des moulins assis, qui ont été construits, comme j'ai dit tantôt, par M. Justus Smith en 1838, acheté plus tard par M. Perkins. Et puis là, lui faisait son bois, vendait du bois partout, alentour, aux gens du village, et puis même ailleurs. Et puis lui, il charvoyait son bois aussi, beaucoup par la Drave, tu sais, par les rivières. Et puis il transportait ça aussi jusqu'à Templeton, par voie d'eau. Durant ces années-là, beaucoup de gens ont travaillé pour M. Perkins, ce qui a amené. Puis il y a même eu des Indiens qui sont venus s'établir ici à cette époque-là, parce que c'était l'époque des nomades, les Algonquins, les Ouescarini. Puis il y a encore des descendants de cette famille-là, M. Hébert. Même le petit-fils, l'arrière-petit-fils de ces gens-là vit sur la ferme. Parce qu'au début, j'ai appelé des gens, des descendants. D'accord. On dit que c'était une petite cabane de trapage qui avait été sur la ferme. C'est dans le rang 9, vers le Twin Lake, le lac Tobago. D'accord. Et puis le petit-fils vit là. Puis il y a encore ça dans le sang, le trapage, mais il est plus occupé aujourd'hui, ça fait qu'il n'en fait plus. Ah, la ferme Charette que je connais. Non, c'est la ferme Hébert. Hébert, ah oui. Ils ont des moutons. Des moutons. Il y a plusieurs, même les Gonneville aussi, c'est toute la même famille, ça. C'est tous des descendants. C'était le comte d'Hébert, puis ils vivent encore dans le coin. Vous aidez à préciser que les Amérindiens étaient nomades. Il y en a quelques-uns qui se sont installés. Il y en a eu, mais pas que ce soit. C'est la seule famille que je connais qui s'est installée dans la région. D'accord. Mais c'est comme les Gonneville, c'est apparenté avec les Hébert, parce que la mère était une Hébert aussi, comme les Charrettes du coin, là. OK. C'est aussi. La mère était une Hébert. Madame Guittard, elle-même était une Hébert. C'était toute la même famille, ça. On dirait qu'il y a une petite goutte d'Amérindien un peu en chacun de nous. Oui, mais supposément, moi j'ai appris de M. Wilfrid Burke, qui avait le magasin général de l'époque, là, qui a brûlé il n'y a pas longtemps, que même parmi les La Fontaine, il y avait des descendants, des Charbonneaux. Moi, je n'ai pas connu ça. Lui, il était plus âgé que moi, ça fait qu'il m'a rapporté ça. D'accord. Puis j'ai su dernièrement que même ça a confirmé ma... cette nouvelle, qu'il y a un des petits-fils, des arrière-petits-fils, qui avait eu la permission d'avoir sa carte d'Indien, parce qu'ils ont le droit jusqu'à la cinquième génération. Ah bon? Ça prouve que... Et là, ça s'en parle aujourd'hui, hein? Ben, c'est mon ça. Dieu! Au tout début, c'était des nomades, se sont installés, puis on... Parce que ça se faisait beaucoup par voie d'eau, hein? Ils faisaient du portage, puis on a beaucoup de lacs dans la région, ils se promenaient, ils portaient leur canot, puis ils embarquaient sur l'autre lac. Puis... Ben, je vous remercie d'avoir précisé la parenthèse des Amérindiens, j'aime ça. Pour revenir au chantier, aux scieries,
Là, pour travailler là, c'était tous, mais là, on n'appelait pas ça des Québécois dans ce temps-là, des Canadiens français. Des Canadiens c'était français. C'était ça ou c'était des Anglais? Il y avait aussi des Anglais. Oui. D'accord. Oui. Beaucoup de familles anglaises à l'époque. OK. Oui. Pour les charges de bio, bon, je vais aller au petit détail un peu. Il semblerait qu'il y a une experte pour les charges de bio dans votre recherche. Ben, dans la recherche, on s'est basé pas mal sur le livre du Papillon, la blanche, là. D'accord. Papillon avait fait beaucoup de recherches, lui, beaucoup plus que nous autres. OK. Mais selon le recensement de 1871, là, il y aurait eu 18 614 bio qui a été sorti, là, coupé par les hommes. Il y était trois groupes de sept hommes. C'est, ça, c'est comme si c'était les chantiers, là. Il y avait un chantier de sept hommes, un autre de sept hommes. Ils n'étaient pas tous ensemble. Ah. Alors, ils coupaient comme 50 bio par jour, ce groupe-là, là, c'est et puis, pour 96 jours, ils ont sorti 18 614 bio, qui ont rapporté pour une somme de 1800 piastres de salaire. Ah, alors, ce qui faisait à peu près 12 piastres par mois pour les hommes. C'était pas beaucoup, hein? Non. Tu sais, dans ce temps-là, c'était pour le temps, c'était correct, mais pour nous autres aujourd'hui, on compare ça. Oui, là, on ne fera pas de comparaison avec les profits. On voit juste les salaires. Il était 7. C'est drôle, j'avais l'impression avec les vieux films ou les chansons de Félix Leclerc ou que ce soit. En reculant, il me semblait qu'il était un gros groupe. Il était 15, 20, 50. Ah, il a dû en avoir plus que ça. Là, depuis 1845, là, que ça bûchait. Ça, c'est les recensements de 1871. Ah, vois-tu, ça avait modéré un peu, là. OK, il avait commencé à passer. Alors, on n'a pas de recensement plus bas que ça. Okay. Il servait à quoi, surtout, le bois? C'était-tu déjà, comme dans l'ancien temps, pâte et papier, ou c'était pour... Il en faisait du bois écari, hein? C'était du bois écari. Puis, il bâtissait les maisons, puis... Ah, OK. Mais il chupait en Angleterre. Il chupait par la rivière, et il mettait sur le train ou les bateaux, ils chupaient ça. Il y avait beaucoup de bois qui étaient chupés en Angleterre. Oui. J'aime ça aussi, chuper. C'est drôle, hein? Bon, chuper, je suis de la région. Peut-être non, que j'ai pas le mot. Expéditionner, non, c'est pas grave. C'est ça que j'aime aussi, parce que dans ce temps-là, les gens aussi avaient ces échanges-là. Parce qu'on ne voyait pas seulement non plus des, comme j'ai dit tantôt, des francophones, il y avait des Anglais. Ça aussi, j'aimerais ça sauter, ça m'achale un peu, parce qu'il y en a qui disaient que c'était juste des Irlandais. Je disais, non, c'est des Anglais d'Angleterre. Il y avait même quelques Écossais, si tu peux dire. Oui, il y a eu beaucoup d'Irlandais, là, parce que l'Irlande avait envoyé des immigrants. Le Canada, ça a dit, a accepté les immigrants irlandais, mais il y avait des Anglais aussi. D'accord. Il y avait des Américains, parce que M. Perkins, c'était un Américain, d'accord. Il était Américain, lui. Mm-hmm. Qui fait que... En 1895, vois-tu, on a les recensements dans le livre du père Pigeon, là, mais en 1895, il y avait 152 familles, dont 54 anglaises. D'accord. 4 familles anglaises à Perkins, là. Alors, parce qu'à l'église, le prêtre, il faisait le sermon dans deux langues, d'accord, en anglais et en français. Mm. Ça a été longtemps. Longtemps comme ça. Puis, Quand il arrivait pour parler, là, le curé ou les patrons aussi pour les chantiers, est-ce qu'il parlait encore, même dans ce temps-là, on est rendu quand même à l'approche vers 1900, est-ce que là on parlait des fermes ou non, c'était encore les bûcherons, c'était encore le bois, il n'y avait pas encore des... Non, là il y avait on commençait à faire des fermes. Il y a beaucoup de gens qui ont défriché le territoire puis qui se sont établis des fermes. Ça a jamais été des grosses fermes parce qu'il y avait beaucoup de roches. Mais les gens vivaient sur leurs fermes, là. Après, l'essor du bois puis des mines. Pis, OK. Eh bien, quand on parle aussi des personnes, Louis Leblanc, de Fils Rollin, puis Rainville, ça, c'était des... On revient à des fondateurs ou c'était des gens qui étaient en charge? Mon grand-père, il est arrivé ici en 1887. Il s'était marié à Angers, parce qu'il était natif d'Angers. Puis il y avait un fils
déjà. Puis au printemps de 1887, il a bâti la maison sur la montée Beauchamp, que vous voyez, la maison de pièces, là, que vous voyez. Oh, sur Dieu, la montée Beauchamp, donc vous voyez dans le livre du centenaire, on voit la photo. Là. C'est dans votre patrimoine à vous, ça. Oui, oui, oui. Puis il a défriché cette terre-là. Si vous passez par là, vous savez de quoi je parle. C'est défriché de tous les centaures qui sont défrichés d'un bout à l'autre. Ça fait qu'il a défriché ça avec un arrache-souche, là, une grosse vis. Vous savez ce que je veux dire, là? Non. Traîner. Plantez ça dans la souche. Oui, tu plantes ça dans la souche, puis avec le cheval tiré là-dessus. Ah, non, ça, là, vous m'apprenez quelque chose. Ça a été là longtemps, là. Puis sur cette ferme-là, il y avait un moulin à scie aussi sur le creek, là, le creek à Ferens. Puis ce moulin à scie-là, il était là jusqu'en, je ne sais pas, vers 1948, je pense, ou 50, là. Ça a appartenu, parce que lui, il avait cédé ce moulin à scie-là à sa fille, Alida de Rainville, pour service rendu. OK, OK. Et puis plus tard, elle n'avait qu'un fils, fait qu'elle l'a cédé à son fils. Puis lui, il a exploité pendant un certain temps. Puis à un moment donné, il a vendu l'équipement à M. Guittard. OK, d'accord. Ça avait été acheté de M. Louis Leblanc. C'est le premier qui avait ça. Ah, c'est ça l'histoire. OK, OK. Oui, c'est okay. ça. C'est ça. Puis c'est mon grand-père qui l'a exploité. D'accord, d'accord. Je vais sauter sur l'occasion aussi de parler d'exploitation de forêt et tout ça. Puis maintenant, on parle aussi des fermes. Je vais parler aussi du père Pichon. Attendez une émission spéciale en septembre. Alors, on va rencontrer le père Pichon pour vous parler des mines. Il semblerait qu'il ait fait une recherche bien spéciale sur le mica, l'hépatite. Ça, c'est pas tout à fait le même minéraux. Donc, c'est ça, oui. On va en parler bientôt avec le père Pichon en septembre. On va revenir après ça avec notre conversation.